Elle s'appelle Kenza Drider, elle est d'origine marocaine, elle a 32 ans, elle habite Avignon et elle est candidate à l'élection présidentielle. Une candidature atypique car la jeune femme porte le niqab depuis 13 ans. C'est pas une provocation. Ma candidature est faite là, mais vraiment pour dire voilà, le réel problème en France, c'est pas nous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que tout le monde croit. Le réel problème en France, ben voilà, c'est vraiment la liberté des femmes et vraiment de toutes les femmes en France. Qu'elles soient ou non de confection religieuse, là n'est pas le problème. Mais voilà, la réalité au jour d'aujourd'hui, ben, il y a le chômage, il y a énormément de problèmes en France. Donc il ne faut pas simplement voir ce que je porte, il faut vraiment voir les réels problèmes. Donc la candidature est vraiment faite pour ça, pour dire ne vous arrêtez pas ce que je porte, mais allez beaucoup plus loin. Kenza Drider est la seule femme intégralement voilée à avoir été entendue par la mission parlementaire sur le port du voile intégral en décembre 2009.